bien le bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouvel épisode de notre aventure sur Evoland 2. J'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va super et aujourd'hui on va aller à la bibliothèque puisque dans le dernier épisode nous avions obtenu notre maison et on avait obtenu la clé de la bibliothèque, donc c'est parti, on va aller à la bibliothèque et tout simplement, on va aller en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé, hein, puisque j'adore cette plante. Bref, oh, ça c'est le Sagittaire de Senseiya. Le doyen, soyez le bienvenu à la bibliothèque de Genova. J'imagine que vous êtes de nouveaux étudiants. Oui, je suis le doyen de la bibliothèque de Genova. Nous autres chercheurs consacrons notre vie à des sujets très importants. Par exemple, savoir pourquoi cela gratte quand on se fait piquer par un moustique. Oh, ça ne nous intéresse pas de trouver un remède. Savoir pourquoi ça gratte est tellement plus intéressant. D'ailleurs, lorsque nous aurons le temps, je vous parlerai de mes propres recherches. Je me suis spécialisé dans l'étude de l'ancienne civilisation Magi et plus précisément dans les légendes qui entourent l'utilisation de leur étrange pouvoir dans l'Antiquité tardive. Mais avant que je vous parle de tout ça, il va falloir terminer vos études. C'est que, voyez-vous, monsieur, nous sommes prêts... Oh ! Silence ! Vous êtes des étudiants et dans la bibliothèque, vous êtes soumis à l'autorité de vos professeurs. À moins que vous ne souhaitez ne rien apprendre. Dans ce cas, sortez d'ici. Ok, ok, tu vas te calmer. Veuillez excuser l'étudiant Menos, monsieur le Daïen. On sera ravis de suivre en tout particulièrement en ce qui concerne les Magilites. Pas vrai, Menos ? Oui. Bien, si vous êtes décidé, allons. Alors nous allons commencer. Vous devez valider 6 unités d'enseignement, aussi appelées UE, dans différents domaines. Pour cela, il me suffit de parler à mes collègues chercheurs masque. Oh là là. Les 8 UE. Ok. Ok. Hihihihi, il me rappelle mon ancien professeur, j'ai toujours aimé les études, c'est amusant. Je suis désolé, Menos, il semble en savoir long sur les Magil, pourrait sûrement nous renseigner sur les Magilites. Ouais. Donc on se souvient, hein, notre cher Menos qui est totalement paumé, il vient de prendre 100 ans d'un coup, son peuple a été décimé, enfin tout ça. En parlant de service, ça vous dirait de m'en rendre un? Oui, parfait. Le conseil de marchand va changer de mettre en place un nouveau système de patrouille pour la milice. J'ai pris soin de respecter les consignes qu'il m'a imposées, mais je suis convaincu qu'il y a une faille quelque part. Attendez, je vais vous montrer. En partant du poste de garde X, ok, chaque patrouille doit rejoindre l'une des 7 tours de surveillance. Une patrouille peut choisir n'importe quel chemin, mais doit s'arrêter à la 6e tour rencontrée. De plus, elle ne doit jamais emprunter deux fois le même chemin. Procédant ainsi, l'une des tours restera toujours sans garnison. Laquelle ? Ah, attendez. What the fuck ? C'est quoi cette énigme ? Alors, si on part à gauche, on fait F. Wow. Ok. C'est quoi cette énigme de ouf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc B. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, 1, 2, 3, 4. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est la G. Non. Ok. Ok. Oh là là. On va faire dans l'ordre, hein. Allez F. Enfin, on va le faire dans le désordre. Ok, c'est pas la bonne. Ah non, franchement, si vous avez réussi à comprendre un truc à cette énigme, moi, je vous dis chapeau, parce que j'ai rien compris et je dois vous avouer que j'ai pas envie de réfléchir, hein. C'est la bonne. Ok, je sais pas pourquoi, mais c'est la bonne. Oh là là. On va faire les 8 parce que ça offre un cadeau, donc moi je veux le cadeau.
Navré, pas le temps de bavarder, maman que vous ne soyez pour m'aider. Alors voilà, tous les 500 ans, deux comètes se croisent dans les cieux. D'après les écrits, la prochaine rencontre devrait avoir lieu cette nuit. Pour rien au monde, je manquerai ça, mais elles sont visibles. Tenez, regardez sur cette carte. Rencontre stellaire. Lorsque les deux comètes arriveront, elles traverseront en diagonale, c'est par les diagonales uniquement. Elles ne toucheront aucune étoile présente, ni avant, ni après leur rencontre. Sur quelle classe? Alors, tac. Ok. Donc c'est celle-là. Tac. Ok. Et ici, c'est ça. Non, c'est... What? Ou alors celle-là? Oui, mais après celle-là. What the fuck? Ah, c'est peut-être celle... Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Yeah! Trop fort. Trop fort. Trop fort. Et avouez que c'est waouh, énorme. Oh, salut mon gars, tu serais pas ingénieur remplaçant pour m'envoyer? Très bien, alors voilà le topo. J'essaye désespérément de trouver le trace idéal pour 5 instants. Allez, prends... D'accord, alors canalisation, vous devez relier le point A au point B par un réseau final. Déplacer les canalisations pour créer un. Ok, donc on va faire ça. Voilà, pour faire ça. Donc ensuite, on va remplacer toi par toi. Ah non, je pense qu'il faut qu'on... Que toutes les canalisations... Attendez, Du coup... Il me faut toi. Voilà. Et du coup, toi, ici. Toi, là. Toi, là. Ah merde, c'est pas le bon. Comme ça. Voilà, du coup... Attendez, parce que là, du coup, faut que ça sorte. Mais là, ça va pas rentrer, en fait. Faut que ça aille dans un truc comme ça et ça... Aïe, sinon plus, ça va pas rentrer. En fait, ça sort... C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Du coup, on va faire ça comme ça, hein. Ok, non, c'est pas bon. Alors, déplacer les canalisations pour créer un réseau unique passant par toutes les zones de la carte. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Sauf que... ils sont bien gentils, ces gens-là. Mais... voilà, ok, ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est bon. Mais non, ça c'est pas bon. Ici, du coup... Ouais. Très bien. Très bien. Non. Allez, d'accord, ça marche pas. Comme ça. Et du coup... Comme ça. Et du coup... Toi, mince, ici. Et comme ça. Ouais. Je pense qu'on approche de la solution. Ouais, ceux-là, ils se connectent pas. Celui-là, il se connecte pas non plus. Celui-là, il se connecte que d'un seul endroit. Je pense.
Non. Est-ce que faudrait pas... Voilà, avec toi. Non. C'est compliqué. C'est compliqué, là. J'avoue que l'énigme me met un peu mal. Elle me met un peu mal. L'énigme me met un peu en PLS, je dois vous avouer. Est-ce que celle-là comme ça? Ah mais non, 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 mais non. Est-ce que... Ok. Du coup... Est-ce qu'avec... Oui, mais avec toi, oui, mais forcément, mais... Est-ce que du coup... Non, bah non, ça colle pas, ça colle pas. Ça colle pas parce que regardez ici, voilà, là c'est collé, mais là c'est pas collé. Du coup, est-ce que ça... Non, ça se colle pas. Du coup, il faudrait partir comme ça. Genre, hop, comme ça. Mais non, ça se colle pas. Oh là 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 là, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Et du coup, il me faudrait ça comme ça. Ouais. Du coup, toi, il faudrait que t'ailles là. Bah oui, mais non, après, ça va pas. Ça va pas. Ah non, après, ça va pas. Ok, là, par contre, ok, on a déjà... Déjà, on a quelques points. On a quelques points. On sait qu'ici, ça peut se connecter. Donc... Oh, et si... Ici, ici, ici. Voilà, ça, ça fait comme ça. Du coup... Non. Comme ça. Et du coup, toi, comme ça. Tac, tac, tac. Ensuite, du coup, il faudrait lui qui aille là. Lui qui... non, pas toi. Oh merde. Je suis sûr que je suis proche du truc en plus. Ah, comme ça, voilà. Ok. Ok, donc là ça marche pas. Ah, c'est compliqué les amis. Non, moi je pense qu'il faut toi ici. Tac, tac, tac. Ah mais ici c'est pas connecté déjà. Oh, c'est compliqué, putain. Du coup, après il faudrait peut-être par là. Non. Non, faudrait comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Oh, je crois que j'ai trouvé. Non, je crois que j'ai pas trouvé en fait. Parce qu'après, là, on est bloqué. Oh, fais chier. Oui, j'abandonne. C'est bon, ton énigme est trop chiante. Ok. On va pas faire les 8. On va pas faire les 8, les amis, je suis désolé. Alors, mystérieuse antique, ce coffre s'ouvrira si les 16 boutons sont enfoncés dans le bon ordre. Les boutons dorés doivent être... Le bouton doré est sur lequel faut-il appuyer en premier pour déverrouiller le mécanisme. Alors... What? Il faut appuyer sur le bouton doré. J'ai rien compris du tout, alors... On va relire. Alors, vous êtes le nouvel étudiant, j'ai trouvé une étrange, voyez-vous, vous êtes bien aimable, voilà, cet objet étrange a été trouvé dans, elle posait une aucune série à passer, vous me seriez d'un grand service en louant pour moi. Ce coffre s'ouvrira si les 16 boutons sont enfoncés dans le bon ordre. Le bouton doré doit être activé en dernier. Sur quel bouton faudrait... Alors, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
Bah non, on vient de faire lui. Ok, c'est encore. C'est bon, ça me saoule. Ça me saoule. Putain. Ok, on va aller faire d'autres parce que là c'est chiant. Là c'est juste assez abominable. J'ai jamais été bon à Professeur Layton. Alors, question d'optique. Un rayon part de la source A pour arriver, nanana. Déplacer les miroirs, ok. En activant les cristaux. Ah, faut activer les 6 cristaux, du coup. Ok. Ah merde. Ah merde. Ok. Et si on inversait? Genre, toi tu vas là. Ah bah non, on peut pas inverser. Quoique. Ah oui, non. Ah oui, non, en fait, on peut pas le mettre là parce que ça va bloquer le B. Du coup, faut qu'il soit en dernier. Le B doit être en dernier. Celui-là? Ouais, voilà. Du coup. Non. Bingo. Alors bingo, oui, mais non. What? Ok. Je pense qu'on est proche de la solution. Il me faut un qui aille ici. Oh! Non. Ok. Ah mais non, si je retiens lui... Est-ce que si je retiens lui... Non, bah non, bien sûr. On peut pas le placer ici, bien sûr. Il faut... En fait, il faudrait lui... Donc là, on est sûr qu'il faut que ça parte ici. Après, que ça parte ici, c'est obligé. Est-ce que... En... Ouais, mais il m'en manque toujours un. Est-ce que... Ah mais non, après c'est toujours le même souci. Et même si on l'active là, c'est toujours le même souci. Du coup, en fait, faudrait le mettre là. Et lui ici, et lui là. Mais c'est pas bon. Même... on va reprendre du début. Ok. A. Peut-être faire. Hop. On va faire ça. Ça. Non. Ou alors ici. Ça fait que... Oh putain, je crois que j'ai trouvé. Bingo! Ouh! Hey, like a boss. Like a boss. Ok, troisième énigme de réussi. Pff, elles sont chiantes leurs énigmes. Alors, pour terminer l'œuvre, déplacez les couleurs afin qu'aucune n'apparaisse deux fois sur une même ligne ou une même colonne. Ok. Les couleurs marquées d'un point ne peuvent être déplacées. Très bien. Donc, sur une même ligne ou une même colonne. Ah, il y a du violet. Ah oui, mais le... Ah bah, non. Oui, mais si, c'est bon. Du coup, on met ça là. Du coup, là...
Donc là, on va mettre le jaune ici. Et le vert là. Et du coup, faut bouger ce rouge. Du coup, voilà. Donc là, il n'y a pas de couleur. Là, il n'y a pas de couleur. Ici, bah, il y a encore lui, mais pour l'instant, on est ici. Donc ici, pas de couleur. Et donc ici, boum! Eh, trop de... Voilà. Trop de... Waouh, Kaito. Ok. Encore deux. Allez, formidable. Si vous parvenez, nana. Alors, le chiffrement. Parmi les quatre symboles proposés, quel est celui qui complète la suite de symboles ci-dessous? Alors. Donc, carré, carré rond, carré petit. On dirait un carré qui se casse. Je dirais lui ou lui en fait. Donc on va tester lui. Yeah! Trop fort. Trop fort. Trop fort. Voilà. Donc, on va faire les 8. On va faire les 8 parce que voilà, moi je suis comme ça. Alors, l'un de ces livres de cette bibliothèque n'est pas à sa place. Savez-vous trouver l'intrus? Je dirais soit lui, soit lui. Mais je pense que je vais opter. Je pense que je vais opter pour lui. Non. Donc ça doit être l'autre, C'est une blague, nanana. Allez. Cela, c'est le grand. Il y a un grand par étage. Sauf ici. Peut-être lui. Non. Non. Je pense que les grands n'ont rien à voir. Je pense que justement, ils sont là pour nous piéger. Il faut qu'on regarde les petits. Il doit y en avoir. Ça doit être un tout petit. Bingo. Je l'ai. Regardez celui-là. Il est tout petit. Non, ok, c'est pas celui-là, Ok, donc, petit, moyen, grand, petit, moyen, grand, petit, moyen, grand, moyen, petit, grand, petit, grand, grand, petit, grand, grand, petit, grand, grand, petit, petit, tout petit, moyen. Celui-là, du coup, ma première. Non. Est-ce que ce serait pas sur les grosseurs? Alors, fin, on va recommencer. Fin, gros, épais. Fin, gros, épais. Ok, non, c'est bon. Lui. Soit lui. Attendez. Ils ont tous l'air d'avoir une couleur différente. On va essayer lui. C'est le plus flashy. Non, c'est pas lui. Ok. Ça devient chiant. Alors. Vous savez quoi, on va faire comme ça, hein, pas le choix.
Voilà. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais tant pis. Hein. Là, moi, il y a un moment où moi, je peux plus. Hein. Ça fait 25 minutes que je réfléchis. Hein. J'ai le cerveau, il est en train de perdre espoir. Non. Je m'en fous, je les ferai. Je m'en fous, je les ferai toutes. C'est triché, oui, mais là j'en ai marre. Bon, on va essayer de le faire bien. Donc lui, non. Je vois pas pourquoi. Est-ce que ça aurait pas 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 4. Oh, attendez. 4, 4, 4, 4. 4, 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
Ok, donc il nous en reste plus qu'une à réussir. Et alors c'est pas celui-là. Je me demande si c'est... Non, c'est le chiffre, donc c'est l'autre. C'est l'autre, c'est l'autre. Et pour celui-là... Ce coffre s'ouvrira si les 16 boutons sont formés. Le bouton doré doit être activé en dernier. 1, 2... 1, 2, 3... Est-ce qu'il faut pas faire 1, 1, 2... 2... 2, 3... Non. 1, 2... Non. 1, 2, 2, 2, 3... Non. 1, 2, 3... C'est simple. C'est 1, 2, 3... 1, 2... 1, 2, 3, 1, 2, non. 1, 2, 3, ah non. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ou alors, faut peut-être commencer par les 3. 3, 2, 1. Bon, vous savez quoi, on va faire tous les 1. Et ensuite, on fera tous les 3. Non, je m'en doutais, ça pouvait pas être celui-là. Je pense que ça doit être l'un des de ceux qui ont 1, 2, 3 ensemble. Et vu qu'on a déjà essayé l'autre, donc il doit être, ça doit être celui-là. Non, non, c'est pas celui-là. Non, donc il nous reste... On va essayer tous les 1 et puis tous les 3 et puis... Ces deux-là, on les a fait, donc on va faire celui-là. Non. Donc, si c'est pas par le 1, ça explique tout. C'est sûrement en... Sûrement en ordre décroissant. J'avoue que j'ai pas très bien compris cette énigme, mais bon. Du coup, 1. Donc, non. On va essayer les 3, et si jamais je ne trouve pas, et bah... On va essayer tous les 3. Bon, ça va, il y a que 3-3, donc... non. Et si jamais j'y arrive pas, et eh ben, je la réussirai pour la prochaine fois. J'utiliserai une astuce, parce qu'on va pas s'emmerder pour rien. Voilà, tout simplement. Du coup, vous avez un long épisode aujourd'hui, hein, parce que... Ok. Ok, ok. Non plus. Ok. Ok, ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Y a pas une seule aide, hein. Est-ce qu'on peut pas appuyer là-dessus? Non, bah non. Non, 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 ça aurait été trop simple. Ça aurait été trop, trop simple. Je veux pas l'abandonner parce que c'est la dernière et... Il y a 16 boutons. Il y a 16 boutons. Est-ce que faudrait pas faire du plus ou du moins? 1 plus 2, 3. Moins 1, 2. Plus 3, 6. Moins 3. Bah, de toute façon, on a déjà fait avec eux. Donc, il faut commencer avec les 2. Bon, eh, au pire, il nous reste que quelques 2. On va les faire et puis. Et puis tant pis, hein. Je suis désolé, hein, y a des trucs qui sont plus amusants, mais là j'avoue que j'ai pas compris la logique. J'ai pas compris du tout la logique du bouton, enfin du truc. J'avoue que... Ah bon, ok. Faut commencer par celui-là, je sais pas pourquoi. Oh, merci infiniment. Je vais valider. Ok, tu me donnes même pas une explication. Bon, on va le parler à lui. Alors, c'est cette étude, mais... Félicitations! Vous avez obtenu toutes les UE. Ça mérite une récompense. Tenez. Une étoile! Youpi! Ok. Bon, passons maintenant. Que voulez-vous savoir? Les magies.
Maggie et son peuple, plutôt une civilisation qui ont connu un apogée à plus de 2500 ans, alors que le monde était encore largement submergé et les gens leur attribuent des pouvoirs magiques à Nadine. Nanana. Certains vont même jusqu'à imaginer qu'ils pouvaient manipuler le temps. Ce sont de vraisemblablement des exagérations recréées après. Pour expliquer ce phénomène que les autochtones de l'époque ne comprenaient pas, toujours est-il qu'après avoir dominé un époque, ils ont entièrement disparu il y a 2000 ans. On laissait derrière eux que quelques ruines et. Les Magilites. Ce qu'on appelle communément Magilites sont en fait les plus célèbres. Hein. Elles sont relativement rares mais réparties de façon régulière. On comprend pas exactement à quoi ils servent cette inscription. Ou un chemin mais vers où. C'est d'ailleurs en cherchant un Magilite que mon ancien professeur. Bien triste histoire. La disparition des Magis, certainement la plus grande énigme de tous les temps. Pourquoi il y a 2000 ans ici? Je dois avouer qu'après des années de recherche, je n'ai toujours pas la moindre idée. Votre professeur, l'ancien professeur, elle a consacré sa vie. Hein. Je me souviens qu'elle s'intéressait tout vraiment à Magilite. Elle a pensé. Elle avait découvert un Magilite qu'elle croyait. Heureusement, elle a été capturée par les pirates qui habitaient l'île. On n'a jamais retrouvé sa trace. L'île maudite. Que voulez-vous le savoir? La pierre du temps. Pierre du temps. Je ne suis même pas certain que la pierre existe. C'est ça la référence directe dans les sourcils royales des démoniaques. La pierre du temps serait une grande pierre ronde et noire avec un œil gravé en son centre. D'ailleurs, cet endroit ressemble à celui utilisé par. Étrange coïncidence, si vous voulez mon avis, je m'intéresse guère aux excès. Que voulez-vous savoir? L'île Magie. L'île Magie se trouve loin à l'est. On peut uniquement s'y rendre en bateau. Nanana. Quoi qu'il en soit, les pêcheurs refusent de s'y rendre. C'est une histoire, c'est comment vous pouvez prendre s'il vous faut un bateau. Sachez que c'est la membre du conseil. Hein. Que voulez-vous savoir? Rien. Bon! On a réussi cette énigme, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis désolé, ça a été un épisode un petit peu long. Et est-ce que ça a sauvegardé? Oui, c'est bon, ça a sauvegardé. Ok. Donc je suis désolé, ça a été un épisode un peu plus long que d'habitude. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine et bye bye tout le monde.